lancement officiel du nouvel album du pasteur Lode Lombo. Mais on va rester debout hein, quelques secondes seulement. Je vais inviter le pasteur David Aeka pour la prière d'ouverture et on va commencer. On acclame le Seigneur alors qu'il est en train de s'avancer. Pasteur, venez. Merci. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Tu nous as réunis de partout. Nous sommes venus célébrer œuvrant aujourd'hui avec notre bien-aimé frère, pasteur Lode Lombo. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Chacune des étapes entre tes glorieuses et saintes mains. Sois au milieu de nous par ton esprit. Que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Là, maintenant, tu invites. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? On acclame le Seigneur très fort. On acclame le Seigneur très fort. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Nous avons. C'est un peu comme sur le cover. Hein, vous avez vu. Hein, il y a un C, il y a un H et il y a un A. Donc, on va commencer par le A. Je vais ici inviter celui qui représente la production même de Majabou, notre directeur technique. Il s'appelle Aristote Nzouzi. On acclame très fort pour lui alors qu'il est en train de s'avancer. Monsieur le DT. Je disais, on acclame pour lui alors qu'il est en train de s'avancer. Voilà, il se met sur le A. Bonjour DT. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, bienvenue au lancement officiel de ce nouvel album. Merci beaucoup. Voilà. On va vous laisser vous installer quelques minutes. On va ici inviter quelqu'un d'autre parce qu'il y a le A, il y a le H et puis il y a le C. A comme Aristote. Donc A comme Aristote, vous avez vu, hein? On se demande, non, C comme Christ. Bah, Christ Bazao, hein? Voilà. Alors tout à l'heure, on va recevoir la personne qui est supposée se mettre ici à côté. Il faudrait savoir que en 2017, on va dire, on avait très faim. On a eu un bon plat qui s'appelait Emmanuel. Avec, donc c'était un bon buffet comme ça, hein, un buffet qui s'appelle Emmanuel avec des plats comme Yaweloba, Ngana Yoka. Arrête de trop présenter parce que c'est déjà dans l'élément. Merci. Voilà, très bien. Et puis après, on a eu l'album Extrême, mais aujourd'hui, on va recevoir celui qui nous a aidé à cuisiner tout ça, le canal par lequel Dieu est en train de passer. J'invite l'artiste, le pasteur Lode Lombo, alors qu'il est en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Je disais, on acclame très fort pour lui alors qu'il est en train de s'avancer. Bienvenue, pasteur. Très bien. Alors, à présent, je pense qu'on va donner la parole à la production pour nous dire un peu pourquoi est-ce qu'on est ici. Et on va avoir le mot de bienvenue aussi de la part de Majabou Gospel. Okay. Bonjour à tous. Oh, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, je ne peux que vous dire merci, mesdames et messieurs, distingués invités. À vos titres et qualités respectifs. Je vous dis merci pour avoir répondu, je vais dire massivement, à cette invitation. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un album, un nouvel album, le troisième de la carrière du pasteur Lode Lombo, qui s'intitule Chat, célébrant Hébron aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur par rapport à cela? Célébrant Hébron aujourd'hui. Avec 12 titres, je crois que nous aurons le temps de déguster toute cette pléthore de mélodies qui se trouvent dans cet album. Par la grâce de Dieu, ça vient nous emporter avec des belles mélodies, s'il faut le dire, et aussi ça touche à nos âmes. Et pour moi, en tant que représentant des producteurs, je cite les couples Bondo, qui vous saluent aussi, malgré qu'ils ne sont pas ici présents, ils vous saluent. Et je vous dirai, consommez l'album, parlez-en, recommandez-le et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on acclame très fort pour le mot de M. Aristote Nzouzi qui représente la production. J'ai dit, on acclame très fort pour son mot. Merci. Voilà. Alors, normalement, c'est là qu'on doit présenter l'artiste. J'aurais appelé sa femme, mais la production m'a dit non, on a,
On a bien fait les choses, on aime bien faire les choses. On va suivre cet élément qui va nous dire qui est celui qui présente cet album, qui est l'artiste même, le génie derrière l'album Chat, célébrant Hébron aujourd'hui. Suivez. Il est bien connu grâce à son album Emmanuel, dans lequel nous retrouvons son célèbre tube Emmanuel, qui ne cesse de bénir des milliers de familles à travers le monde. Lui, c'est le pasteur Laure Lombe. Il fait ses débuts en tant que chanteur dans la chorale de l'église de son père et en même temps comme prédicateur. En 2009, encore étudiant en médecine à l'université protestante au Congo, Lord Lombo quitte l'église de son père pour rejoindre le centre missionnaire Philadelphie afin d'évoluer sous la responsabilité du pasteur Roland Dallou, qui par suite devient son père spirituel. En 2012, il abandonne ses études pour se consacrer à sa passion ecclésiastique aux États-Unis. Sa carrière musicale est lancée en 2017 avec à la clé un album intitulé « Emmanuel » avec de nombreuses chansons gospel émouvantes telles que Yahweh Loba, Emmanuel et tant d'autres. En 2020, il sort son deuxième album, Extrême, dans lequel nous retrouvons Saison et Amoureux. Cette année, l'artiste a signé dans le label Mahajabu Gospel et nous offre un nouvel album, Chat, riche en variété. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort une fois de plus, mesdames et messieurs, le pasteur Laure Lombe. Pasteur, bonjour. Bonjour. Tout en regardant la caméra. Ok. Alors, comment tu te sens? Chat est finalement sorti, enfin. Oui, très heureux parce que ce n'est jamais facile. Tous ceux qui sont dans le secteur peuvent vous le dire. Et donc, arriver à composer, à travailler, passer des nuits blanches parfois, trouver un producteur comme Mahajabu et sortir l'œuvre, c'est une bénédiction. Je crois qu'il y a tellement de musiciens de talent au Congo, mais ils n'ont pas forcément la même grâce. Pour moi, arriver au troisième album, c'est un bonheur. Arriver au troisième... Non, on fait bien acclamer, on fait bien acclamer, très bien. Alors... Pasteur, vous avez un mot de remerciement parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur le projet, mais est-ce qu'il y a un mot en regardant la caméra? Oui, bien sûr, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui ont participé au projet dès le début. Je commence par dire un grand merci déjà à Dieu parce que les inspirations viennent de lui. Voilà, on m'indique que c'est là la caméra. Parce que les inspirations viennent de lui, merci à Dieu, merci au Saint-Esprit en particulier qui est ma muse. J'aimerais dire aussi un grand merci... à ma femme, à mon épouse qui est là, parce que elle a enduré beaucoup dans le processus de production de cet album. On a commencé parfois au salon, donc déjà ça dérangeait sa paix, sa quiétude, puisque la maison c'est un endroit de paix, de repos. Mais c'est parfois au salon, dans mon salon, à la maison, qu'on travaillait les sons, parfois du matin au soir. Et vous savez, quand des musiciens viennent comme ça et des arrangeurs dans ton salon pour travailler, ça veut dire qu'il faut préparer pour eux, ça veut dire qu'il faut, voilà. Et donc, elle a été là dès le début, un grand merci à elle. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier Madame Denise? J'aimerais aussi dire un grand merci à sa sœur, qui est mon amie et ma belle-sœur, Rowan Dallo Vedoso. Est-ce qu'on... Ouais, elle est là, voilà. elle a fait beaucoup de sacrifices, elle a consenti beaucoup de sacrifices. Parfois, vous savez,
À l'époque, son bébé avait, je crois, 4 mois ou 5 mois, je ne sais plus, Johan Matisse, mais en tout cas, c'était vraiment un bébé. Mais on allait au studio avec elle et le bébé, parfois du matin jusqu'au soir. Et c'est elle qui a aidé à arranger la plupart des chœurs. Il y a même un chant Sopa Motema. Naye, naye, ko Sopa Motema. Dans l'album, j'ai écrit ça avec elle, surtout la partie en français. Lorsqu'on entre en français, là, c'est elle qui a conçu cette partie. Donc, elle a été vraiment au centre de ce projet aussi, et j'aimerais lui dire un grand merci. Merci. La partie, tous les producteurs, tous les arrangeurs, je pense à Hervé Nzambé, je pense à Giroy, je pense particulièrement aussi à Rock Manzo, Brensley, c'est lui qui a sifflé d'ailleurs. Moi j'ai essayé, mais Nathan a un problème à Pema, comme l'a dit l'ingénieur. Mais après, lui, il est venu parfaire. Hein. Et donc, Rock Manzo Brensley, je ne sais pas s'il est là en tout cas, mais il a été vraiment au centre de ce projet. Et je ne peux pas oublier mon équipe, LL Ministries. Je vois Martin, le meilleur batteur de la ville. Je pense que c'est de notoriété publique. Je vois David, le bassiste Ouin. Quand il joue à la basse, les démons fuient. Et je vois, évidemment, tout le monde le connaît, peut-être pas de vue, mais vous avez entendu parler de lui, Solomon, Bring Me Back in the Years, le grand maestro. Et je vois Lionel, toujours là au four et au moulin, et toute l'équipe de LL Ministries, les chantres Gamaliel, Joden, Jaël, et tout le monde. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais aussi finir en disant un grand merci, évidemment, Ahmad Jabou Gospel. Je ne sais pas si on peut m'aider vraiment à apprécier cette grande vision. Ahmad Jabou Gospel, représenté ici par le directeur technique, Papa Roy, Maman Mariam. Merci pour cette belle vision, que Dieu vous le rende au centuple. Un jour, quelqu'un m'a demandé, dernièrement d'ailleurs, la semaine passée aux États-Unis, mais avec tout ce que je vois que Majabou fait comme dépense, est-ce qu'il gagne vraiment? Parce que vous dépensez beaucoup. Est-ce qu'il gagne vraiment? Est-ce que la musique vraiment génère assez de gains pour eux? J'ai dit non, ils le font comme un sacrifice. Ce n'est pas le gain qui est leur objectif premier, mais ils le font pour bénir le corps de Christ. Donc voilà, j'aimerais que Dieu vraiment les bénisse et le leur rende au centuple. Et enfin, merci à vous tous qui allez consommer et aider à promouvoir cet album. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore pour le Seigneur? Merci à tout le monde. Merci à ceux qu'on a remerciés. Merci aux héros dans l'ombre. Alors nous rappelons juste simplement que nous sommes ici pour la sortie officielle de cet album. Mais c'est aussi une conférence de presse parce que tout à l'heure, on va avoir les questions avec les différents journalistes qui sont venus si nombreux que nous remercions, évidemment d'ailleurs. Merci pour votre présence. On va avoir une partie de questions avec eux tout à l'heure. Mais on va remercier l'artiste et le producteur parce que tout à l'heure, comme l'artiste le dit, je vous avais dit que l'adoration c'est aussi le mouvement du corps. On va voir s'ils ont retenu, s'ils écoutent les albums. L'artiste dit, je vous avais dit que l'adoration c'est aussi le... Voilà, alors quoi de mieux pour déguster cet album par quelques pas de danse? Okay. On va ici recevoir les danseurs. Est-ce qu'ils sont prêts? On va découvrir quelques titres ici. Nous remercions le DT. Merci beaucoup. Ils vont s'installer. Merci beaucoup, DT. On acclame très fort pour eux alors qu'ils sont en train de s'installer. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, à présent, un peu comme je le disais, l'artiste l'a dit aussi, il le dit souvent, que l'adoration, c'est aussi le mouvement du corps. Donc, on va ici découvrir cet album Célébrant Hébron aujourd'hui avec quelques danseurs. On acclame très fort pour eux alors qu'ils sont en train de se mettre en place. Je disais, on acclame très fort pour eux alors qu'ils sont en train de se mettre en place.